Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 10e épisode de la série Crusader Kings 2. On est toujours ensemble, ça veut dire que je suis pas mort, que j'ai pas perdu la partie. On est toujours avec la duchesse et Emma, l'imprudente duchesse de Normandie, de Haute-Bretagne, de Kent, de Somerset. Mais on va pas s'arrêter là, hein. Le but c'est qu'un jour elle soit reine. Enfin reine, peut-être elle ne sera pas reine, mais qu'un de ses enfants, son fils notamment, soit roi. On y viendra, on n'y est pas encore, mais j'espère qu'on y viendra. Tout d'abord, je vous remercie encore une fois pour tous vos commentaires, vos retours. Franchement, ça me fait super plaisir. On a discuté avec le Signe Noir et tout. On a très bon retour sur cette série. Il est super content pour moi. Voilà, je suis content aussi pour lui, pour sa chaîne qui continue de grandir. Donc voilà, merci à tous pour ce 10e épisode. Voilà, je veux faire un grand merci. Alors, il y a toujours des gens qui sont pas toujours d'accord avec ce que je fais, etc. Je l'avais dit depuis le début, hein, ça continuera. J'ai peut-être pas encore assez l'habitude sur ce jeu d'avoir des bons réflexes, donc plus le fait que quand je parle et que je me concentre et que je réfléchis, c'est un exercice beaucoup plus compliqué en fait, hein, jouer tout seul et je m'en doutais, je m'en rends compte encore plus quoi. Encore quand je faisais des séries multi, ça allait, puisque en multi j'étais pas le personnage principal, des fois je faisais des blancs pour me concentrer, mais là en solo faut meubler, c'est pas évident, mais en tout cas c'est un exercice que j'aime beaucoup. Donc voilà, malgré tout ça, je vous remercie. La série se passe bien, je pense qu'on est quand même pas trop mal, hein. Tout ce qui est en violet, excepté ça, est à nous, indirectement, et puis c'est pas fini, hein. Je compte bien récupérer ça, dès que la trêve sera terminée avec lui, et continuer de m'étendre pour terminer de prendre la Bretagne, hein. De toute façon elle a jamais été aussi faible, je pense que maintenant, faut que j'en profite, voilà, maintenant surtout que j'ai des revendications un peu partout, donc... oui, d'ailleurs je pense que j'ai plus besoin de... déclarer la guerre, ouais. Si, ça peut peut-être me servir parce que ça me permettra d'appuyer plusieurs revendications, j'imagine, mais... Enfin, nous verrons. Je garde quand même à faire des revendications, mais je sais pas si c'est vraiment bien utile encore. Hein. Je ne suis pas sûr. Mais c'est pas grave. Sinon, au niveau de vos derniers petits commentaires, qu'est-ce que j'avais relevé? Pas grand-chose. Honnêtement, globalement, c'était des bons commentaires, de me pousser à continuer comme ça, de voilà, vous avez bien aimé, on a bien rigolé, etc. Donc c'est quand même la première bonne nouvelle. Sinon, moi je regardais un petit peu pour mes enfants. Du coup, je me disais qu'une de ces deux filles-là, j'aurais pu, par exemple, le marier au fils de cette personne-là. Alors, pas de façon matrilinéaire, mais ça me permettait d'avoir une petite alliance supplémentaire. Pourquoi pas? Parce que j'ai regardé un petit peu dans le coin, en France, pour avoir des alliances avec les ducs. Si, il y a lui aussi. Il a un an. Héritier du duché de Poitou. Pourquoi pas? Ça me fait une alliance en France aussi. Mais est-ce que j'en ai encore vraiment besoin? Si, j'en aurais besoin si je veux déclarer mon indépendance face à l'Angleterre. J'aurais besoin d'alliés en France. Donc pourquoi pas faire des fiançailles, pour moi, je les utilise vraiment pour ça, mais bon, il y a une certaine différence d'âge, mais on va faire avec Judith. Bon, bien sûr, matrilinéaire, il voudra pas. Mais voilà, ça permettra quand même d'en avoir. J'ai regardé toujours elle qui me doit une faveur, pour moi ça ne m'intéresse pas, j'ai rien de spécial à lui faire. Par contre, j'ai regardé le roi d'Angleterre, est en assez mauvaise posture, il a une blessure grave. Alors elle va peut-être se soigner, hein, mais... Du coup, vu que je cherche à avoir un ami... Et que lui va certainement passer roi d'Angleterre, si son père trépasse rapidement. Je vais l'inviter à faire Ribot. Alors on verra s'il veut ou pas, hein. Mais ça peut être sympa. On est quand même important, on est le conseiller quand même du roi d'Angleterre. Dans les choses qu'on m'a remontées, c'est l'escorte. Alors, en fait, les escortes, je peux en avoir, c'est juste que je suis pas allé voir. Hein, clairement, je peux avoir une escorte. J'ai bien le DLC, contrairement à ce qu'on m'a dit, j'ai bien tout ce qu'il faut. Par contre, j'aurais vraiment, vraiment aimé avoir une escorte de cavaliers. Parce que je trouve ça classe. J'aime bien. Le problème étant qu'il faut avoir... pour celle-là, elle est bien trop grande parce qu'il faut avoir beaucoup de cavalerie. Il faut avoir 1200. Par contre, celle-là, il faudrait avoir uniquement 900 dans la taille de l'escorte. Je suis à 888. Alors, je me demande si j'attends pas encore un tout petit peu pour monter. Je vais investir dans les bâtiments. Vu l'argent que j'ai, je vais pas investir grand-chose, surtout, mais... je crois pas que je puisse bien investir. Voilà, le problème c'est que c'est des endroits qui commencent à être assez améliorés. Éventuellement là, mais je sais pas si ça va améliorer ou pas ça, hein, mais ça va améliorer les fortifications, le chantier naval, ouais. Après c'est des terrains qui sont pas forcément à moi.
Y a Kent aussi qui est à moi, mais c'est le chantier naval, c'est pas le plus intéressant. Somerset est à moi, le chantier naval. Bon, on va attendre un petit peu de voir, mais je vais le surveiller maintenant l'escorte, parce que j'aimerais vraiment avoir une escorte de cavalier, je trouve ça très classe. Mais voilà, 900. 900, prochaine étape, sinon après ce sera des piquiers, bon pourquoi pas, mais je trouve ça bien. Donc je vais le surveiller, en tout cas voilà, merci, et du coup ça nous a permis de confirmer ça. Oui, c'est vrai, j'étais toujours dans son tentative d'assassiner son physicien. C'est un peu bizarre, mais on va arrêter de soutenir le complot. Après, les complots qu'on connaît, ben, on peut pas les arrêter. Moi, j'avais rejoint celui-là, mais ben, je crois. Ou il m'a contacté, je ne sais pas, mais... Ben, voilà, de toute façon, c'est des gens-là qui ne veulent pas arrêter les complots, à la limite, je m'en fiche. J'ai toujours une menace, c'est le comte de Sussex, mais je crois qu'il est tout seul. Pour le pouvoir accru. C'est mon cousin. Ouais, bah écoutez, nous verrons ça. Je pouvais emprisonner le comte Roger de Vexin, alors qu'il ne m'aimait pas du tout. Et je crois que j'avais dit que je ferais ça. Ça a probablement pas forcément marché, mais je vais le faire. Parce que lui, c'est vrai que je suis en froid avec lui, je crois. Donc, on va tenter ça. On n'a pas réussi à capturer. Il a hissé la bannière de la rébellion. Je peux appeler mes alliés. Alors, pour le fun, je peux... appeler lui, mais bon, il a combien de troupes honnêtement? 680. Je vais peut-être pas me faire chier quand même. Honnêtement, si je fais ça, hop, rien qu'avec ça, déjà ça va suffire. Alors, tac, nos généraux, on va prendre lui. Et lui. Bon, je m'aurais dû m'en douter qu'il accepterait. Voilà, lui il a accepté proposition de fiançailles. On verra ce qu'on peut en faire. Il veut venir me tomber dessus. Ah ouais, je me disais, il va fuir, ouais, plutôt. Oula, 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 je suis en vitesse 5. Zut, j'ai pas vu. Il a demandé de l'aide au comte de Surrey. Bah écoutez, moi ça me va. Hop. S'il le prend comme ça. Hop. On va aller s'occuper de tous ces gens-là. J'avais pas vu que j'étais en vitesse 5, par contre, ça lui laisse le temps de s'enfuir. Mais c'est pas grave. Et on va les ranger là. Alors, le duc, bah voilà, tout s'enchaîne. Le duc de Champagne qui a besoin d'aide contre sa révolte, je vais accepter. Au moins, j'ai pas besoin de m'en occuper en tout cas, donc ça va aller. Mon travail à Trégor, ouais, il a réussi à aller plus loin dans la revendication, donc on va accepter. Et maintenant, je vais arrêter dès que je pourrai. J'arrêterai de faire des demander des revendications en Bretagne. J'ai d'autres projets. Ouais, je vais subir un malus en allant ici. Bah ouais, du coup je vais pas chercher le combat, c'est pas grave. Bah, c'est lui qui vient du coup. Il va annuler. On va aller sur Rouen. Alors. Pardon, ouais, c'est pas mal de micro-gestion là. Du coup, de là. On va aller débarquer ici. Voilà, les bateaux là. On va aller faire une deuxième armée en Angleterre. On va tous se mettre là. Alors, on va attendre qu'ils se regroupent. Voilà, du coup, il fuit. Ouais, il va sur Évreux, il veut nous tomber dessus, mais on s'en va. Donc ça ne marchera pas. Hop, on s'en va ici. Ici aussi. Peut-être attendre un petit peu, temporiser. Voilà, et là on va faire le siège. Mon vassal est devenu cardinal. Je crois que j'ai deux cardinaux. J'ai pas regardé trop la religion. Alors, je sais que je sais pas trop bien jouer avec la religion. J'ai un peu de mal. Si vous avez des conseils à ce niveau-là, c'est pareil. Hein. N'hésitez pas à me dire, je les appliquerai. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? J'ai toujours un peu de mal à le définir. Hop, pardon, j'étais encore en lecture. Voilà, là on va débarquer. Je re-regarde le panneau, donc j'étais en train d'analyser en même temps que je vous parlais.
Donc non, j'ai un cardinal. J'en ai pas deux, mais c'est déjà pas mal. Hein. Mais voilà, je sais pas trop honnêtement m'intéresser à ça. Hein. Oui, bah du coup, oui, c'est un peu triste. La personne porte. On va s'en remettre, c'est pas grave. Alors, on va avoir juste un général. On attaque. Ici, on finit les sièges. On a le temps, on n'est pas pressé. L'évêque Adelard n'est plus. Et mon. Ouais, il est mort, donc ce n'est plus mon chapelain. Il faut un nouveau chapelain. Bah, l'évêque de Canterbury, il va plutôt devenir conseiller. Bon, j'ai personne qui veut devenir châtelain, de toute façon. C'est vrai qu'il est bon hein, comme conseiller. Il est plutôt pas mal. Bon, lui, je pense qu'il est pas bon chapelain, donc on va le garder. Au cas où, alors je peux le garder pour autre chose, hein, mais. Qu'est-ce qui serait lui? Ouais, en plus c'est pas. Ah oui, hein, je me trompais, hein, je me suis rendu compte quand je disais que c'était des arrivistes. Alors il me semblait qu'il y avait ce nom-là avant où ils l'ont changé, maintenant c'est chercheur de gloire, mais je crois que l'ancien nom c'était arriviste, hein, il me semble. C'est pour ça que quand je voyais ça, je disais ah bah c'est un arriviste. Il appelle ça chercheur de gloire, mais je pense que c'est la même chose en fait. Je me suis peut-être pas trompé finalement. Bon, en tout cas, lui est pragmatique, on va prendre lui. Des recherches culturelles. Parce qu'on m'a aussi dit, ce serait bien que tu passes en primogéniture. Alors, tout à fait, hein, moi je suis complètement pour. Mais pour ça, il faut être en administration au minimum de fin d'époque féodale. Je ne sais plus où c'est. Je sais même pas si je peux le faire en fait. Si, voilà. Voilà, il faut être en tardive. Il faut que j'ai un niveau de technologie en légalisme égal à 3. J'y suis presque, mais pas encore. Mais c'est prévu, hein, c'est, je l'ai complètement en projet. Hein. Un commentaire que j'ai eu voilà, aujourd'hui, juste avant de commencer à tourner, sur un ancien épisode. C'est prévu. Voilà, donc eux, on les a bien éclatés. C'est où qui se rebelle, c'est là? Eh bah parfait, on va lui faire le siège. Et puis on va continuer les sièges ici, avant de leur tomber dessus. Donc j'ai plusieurs guerres. Ouais, ça c'est mon roi qui est en guerre contre la vassalisation leinstérienne. Ah, ça c'est en Irlande, si je ne dis pas de bêtises. T'en fais, Leinster. Donc là, je vais continuer de faire le siège. Il va vouloir probablement faire un siège chez moi, mais on est plus nombreux. J'ai rien à craindre. Pareil, hein, là, il fait un siège, mais bon, je vais lui tomber dessus, hein, mais pour le moment, c'est marrant parce que oui, si c'est du coup contre. Ah mais, wow. Je suis en bélion contre lui. Ah, son père est mort entre temps. Mort d'une mauvaise grippe à 25 ans. Ah oui, c'est moche. Et du coup, je suis en rébellion contre l'enfant. Ah bah, j'avais pas prévu ça, mais bon, bah tant pis, maintenant que c'est fait. Hein. Bon, on va la gagner haut la main, la guerre, hein, sans aucun problème. J'appelle même pas mes alliés, finalement. Alors, Jordan n'est plus mon chapelain. Ah oui, d'accord. Il s'est fait dégager et il est parti s'exiler. Ah oui, d'accord, j'avais pas vu qu'il était hérétique. Alors, je sais pas s'il l'était au moment où je l'ai pris, j'ai pas fait gaffe sur la fenêtre. Donc lui, il a pris sa place. Il a 13. Bah écoutez, je gagne d'un, hein, si je dis pas de bêtises. Par contre, c'est lui ou pas? Non, c'est pas lui. Qu'est-ce que j'ai? Parce que lui, non, il serait négatif, ça m'intéresse pas. Lui, il est pas assez bon. Lui, il cherche la gloire. Bon bah écoutez, on va prendre quand même Bohémond, hein, l'évêque de Caen. Enfin de Canterbury, pardon. Pas l'évêque de Caen. Ok. Allez, on continue. On casse la gueule à ces mécréants. Ils n'ont pas voulu se laisser capturer. Enfin lui, il n'a pas voulu se laisser capturer. Lui a dit, oh bah je vais t'aider. Très bien, belle erreur. Généraux ici, ouais, il manque un général. Je vais renommer un général. Alors j'espère que j'en ai des bons commandants. Ah non, pourtant ils sont tous présents, mais forcément lui, c'est mon chapelain. Je peux pas mettre quelqu'un d'autre. Bah, on va lui enlever son titre de commandant parce que voilà, même s'il est un peu moins bon, parce qu'à chaque fois il va falloir que j'aille lui enlever le rôle, machin, ça va être un peu chiant. Alors lui, ça aurait été bien, mais c'est mon intendant aussi. De toute façon, il va pas le rester longtemps. S'il est héritier du comté de Carcassonne, il finira par s'en aller. On va mettre lui, en plus il m'aime bien. Donc, c'est pas le meilleur, mais pour une seconde armée pas importante, ça ira très très bien.
Ouais, mais il m'aime bien. Oui, j'ai offert un comté, c'est vrai. Et ben voilà. Pour la peine, t'es un général. Allez hop! Ah, une autre révolte. Du coup. En cours. Nous aimerions que vous nous souteniez à tuer Adele Verstrobert. Alors, ça c'est mon mari, et en fait, elle c'est ma demi-sœur. Donc c'est la fameuse fille qui est née de l'union de Robert II avec Susanna de Guine, que j'avais essayé de draguer pour avoir un fils. En fait, il a eu une fille, et aujourd'hui il veut l'assassiner. C'est dégueulasse. C'est pas ça qu'elle a des revendications, mais bon, elle est pas chez nous non plus. Pourquoi lui veut la tuer, je ne sais pas. Non, je vais refuser. C'est mon mari, mais non. Continue de finir les sièges, hein. Je sais que lui va me prendre ça, mais bon, quand je vais lui tomber dessus, ça va lui faire tout drôle aussi. Voilà, c'est... Non, là, c'est pas fini. Il a abandonné le siège ou il l'a fait? Il m'a pillé, ouais, effectivement, mais... J'ai pas l'impression qu'il soit tombé, hein, du coup. Alors, titre mineur. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on n'a pas de région désignée, effectivement. C'est dur, hein, là, de savoir qui. On va prendre lui parce qu'il est bon d'intendance. Là, j'ai pas de femme pour le coup, vu que je suis une femme. Lui, c'est le tuteur de la cour. Ouais, il était plutôt pas mal, je crois. Ça peut le faire, en tout cas. Bon, on va aller s'occuper de cette armée-là à Mortain. Qui va fuir. Eux, c'est pareil, on les a éclatés. On va aller leur taper sur la tronche. Et on va aller... Voilà, on va se battre dans la plaine de Caen. Et on va leur péter les dents. Et ça rime, c'est ça qui est beau. Allez hop, voilà. Oh, cette chute de morale. On a trop. Il a un drôle de nom, lui. Archambault Carolingienne. Ah bah oui, bah c'est une maison carolingienne, donc il allait... Ah ouais. Ah bah t'es plus grand monde, par contre, toi. Et en plus, t'es dans mes prisons. C'est moche. Voilà, on est à 100%, il n'y a pas de problème. Allez, on appuie les exigences, on gagne du prestige, on emprisonne le gamin. Alors, c'était pas prévu, hein, mais... écoutez... Ah, en plus, ouais, c'est la lignée carolingienne, en fait, qui est toujours là. Mais du coup, ça a annulé, en fait. Ça l'a pas emprisonné, quoi, ça a annulé. C'est un peu bizarre. Si, non, c'est bon, il est bien en prison. Il est bien en prison. Et du coup, je pourrais emprisonner lui aussi, qui m'aime pas trop, mais bon. Je m'en sors plus, hein, franchement, si je fais ça tout le temps. Je peux pas révoquer son titre. Ah bah voilà. Bah c'est parfait, ça. Pourquoi s'amuser? Allez, hop. Titre révoqué. Enfin, il peut peut-être refuser aussi. Hein. Je sais plus s'il peut refuser ou pas. Ouais. Je pense que t'acceptes, ouais, parce que tu sais que t'es un peu dans la merde, sinon. Eh bah tant pis pour toi, mon gars. Tant pis pour toi. Donc le comte de Rouen est dégoûté parce qu'il fait pas partie de mon conseil, mais en même temps il est extrêmement mauvais. Donc bah désolé pour lui. Hein. On n'a pas trop de gens qui nous aiment pas, honnêtement, ça va. Pourquoi il me classe pas par opinion? Tiens, c'est marrant ça. Par nom, par opinion. Ouais, voilà, c'est bon. Ouais, il y en a quelques-uns, mais bon. Bon, à ma cour, j'ai plus grand monde, hein. Par contre, j'aimerais bien faire venir un peu de monde. Alors, comme j'en ai pas trop qui veulent me rejoindre... Enfin, après, c'est toujours pareil, ici, parce que je mets... Hop, au niveau des hommes, j'en ai peut-être un peu plus. Ouais, ils sont pas terribles, quoi. À la limite, lui. Chapelain... Oh, c'est un Fitz. Non, je veux pas de Fitz. Fitz bâtard, hein, je précise. Normalement... Non, c'est même pas marqué, mais les Fitz en général, c'est le cas. Si je mets de mon groupe culturel, peut-être je vais avoir plus de monde. Alors, plus jeune aussi, hein, ce serait bien. Il
Mais honnêtement, j'arrive pas à voir de gens exceptionnels, quoi. Ah, lui est pas mal. On a des Italiens à la cour, hein. Oh, allez, lui est pas mal aussi, quand même. Parce que là, j'ai vraiment besoin de monde à ma cour, ça devient un peu... devient un peu tristoun. Guitare. Ouais. Ah, lui, oui. Il est quoi, intendant de bande armée suisse? Ah bon, ça existe, ça? Eh ben, bien. Tu es le bienvenu. Ah, lui, je l'ai pris. Lui, non. Bah, lui, il est bon en intendance, quand même. Oh, allez, on va le prendre. Allez, 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 c'est pas grave. Chapelain, lui, on va le ramener aussi. C'est un bâtard aussi, on s'en fiche. Allez, on prend tout le monde, on est sympa. Et au niveau des femmes, elle est vivace. Ah, ça c'est intéressant. Bon, elle est pas terrible en stats par contre, mais c'est pas grave. On va l'inviter quand même à la cour. Une normande, elle est pas mal aussi. Commandant imprévisible, ouais. Bon, il y en a plein qui sont quand même pas terribles. Mathilda, c'est ma tante. On va la réinviter, ma tante. On va réinviter sa tante. Voilà, ça va nous refaire quelques personnes. Je vais pouvoir donner un ou deux titres. J'ai des malus, du coup. Voilà, tronche. Et une belle coupe. Ah, ils viennent avec des enfants, ils viennent avec du monde en plus. Hein. Peut-être qu'il y a du bon et du moins bon. Mais c'est pas grave. Déjà à la cour. Ceux qui nous ont rejoints. On va bien essayer de mettre plus des normands, mais... Oh, lui, un intendance, non, je peux pas lui donner un titre, quoi, il va mal le gérer. Poum, j'irai beaucoup plus vite à faire ça. Tous. Non, enfin tous, oui, plutôt. Hop. Finalement, je sais pas si j'allais plus vite, mais c'est pas grave. Allez, toutes. Et regardez un peu les stats en intendance. Oh, lui, c'est mon intendant. Bon, lui, il est assez vieux, donc ça sert à rien. Français. Bon. Il détient des revendications sur bande armée suisse. D'accord. On va lui donner à lui. Allez, écoutez, on s'en fiche après tout. Le comte de Serret. Hop. Voilà, monsieur. Toi, tu reviens à ma cour et t'es direct compte. Tu vas être content, non? Il a aligné Carolingien aussi. On va pouvoir rentrer tout ça. Mon escorte est toujours à 888, je surveille. Voilà, je ferai peut-être des mariages entre certaines personnes qui peuvent bien se matcher, mais je le ferai entre les épisodes parce que là, ça prendrait trop de temps et ce serait trop chiant pour vous. Donc elle veut toujours, elle peut toujours ripailler. Alors avec qui elle pourrait ripailler? Tiens, ça aurait pu être bien quelqu'un qu'elle aime pas trop. Alors lui il est dans nos prisons, mais bon, c'est vrai qu'il a rien fait au final, mais tant pis. J'ai envie de dire. On pourrait essayer de ripailler. Elle peut plus le faire. À faire ribot. Faut être en paix. Ah bon, ben on n'est pas en paix puisqu'il y a une rébellion champenoise. Ah oui, c'est vrai que je devais l'aider. J'aurais pas dû ranger mes troupes. Ah, c'est le problème hein, d'être sur deux fronts, c'est que les bateaux, tout ça, à chaque fois... Bon bah parfait, il y a pile le nombre. Alors, je vais arriver mais en retard. Je sais pas si ça va suffire ou pas. J'ai peur que ce soit tendu. Libérer Maud de Montgomery, votre mère. Attendez, je ne comprends pas. Ma mère est dans ses prisons? Écoute, oui, mais par contre, toi, je vais pas te libérer. Hein. T'es vraiment con, mon gars.
Ma pauvre maman. Du coup, ça va servir à rien, mais je vais la désigner comme régent si je peux. Voilà. Proposant de rêver Judith de Conteville, ma fille. Il a capturé tous ces gens-là ? Non mais... Comment il a fait ? Ah bah si, il a fait le siège de Caen ! Ah merde ! L'enfoiré ! Ah le salaud quoi ! Ça va me coûter cher tout ça. Il veut pas libérer Albedaire. D'accord. Pardon, je suis toujours en pause. Bon, je sais pas si les troupes que j'ai amenées l'a aidé à éclater ces rebelles, mais j'ai l'impression que oui. Ouais, bon, en plus si l'armée française est venue s'y mettre, je pense que c'est bon. Bah, elle a pas d'éducation, mais elle est en prison en même temps. Grosse erreur d'avoir laissé le siège, hein. Vous voyez, comme quoi je l'ai pas vu venir celui-là. Je me suis dit, oh, c'est pas grave, il va faire le siège. Ouais, mais c'est le siège de ma capitale quand même, donc... J'ai pas vu venir que ça allait arriver, ça. Bon. En plus, il veut pas que je la rachète. Faut dire qu'on est un petit peu en froid. Il peut payer pour sa propre rançon, histoire que je récupère mon fric. Je sais pas si ça va me redonner derrière ma défaite. Ouais, en prison. Dirigeant femme. On va peut-être essayer de... Ouais, on va le libérer. On va le libérer. Il m'aime toujours pas trop, mais un peu plus. Peut-être, on peut peut-être s'arranger derrière. Moi, je peux comploter pour le tuer, mais j'aurais même pu le tuer dans ma prison, mais... Je savais pas qu'il avait capturé mes filles. Voilà, il veut bien. Allez, je récupère mes filles. J'ai récupéré ma mère aussi, et puis... Bon, je l'ai aidé à tuer ces rebelles, je peux ranger mes troupes. Parce que maintenant, il va se débrouiller. Voilà. Bon, on va... Bon, voilà. En même temps, c'était pas après lui que j'en avais à la base, hein. Ça m'embête un peu, cette histoire. Je vais envoyer d'ailleurs lui améliorer les relations avec lui. Ouais, ça se rebelle un petit peu partout, de Bourgogne, de Conteville, ouais. Effectivement. Marrant parce qu'avant ça... Ah oui, pardon, je suis pas dans le bon truc. Voilà, les royaumes, excusez-moi. Voilà, je comprenais pas là. Tout va bien, tout va mieux. On a beaucoup de revendications qui peuvent être soutenues. Non, le plus intéressant, t'es le duché de Vérone. Mais alors, le duché de Vérone... Non. Non, non, et puis avec le Saint-Empire, c'est compliqué. Bon, avec ces constructions, l'escorte a toujours pas augmenté. Non, toujours pas. Allez, faudra vraiment que le légalisme avance. Bonus de propagation, bonus des provinces voisines. Notre mission étudie les technologies. Ça monte, hein. On est pas loin de pouvoir. Après, faudra le voter, mais ça, c'est un autre. On est toujours conseillé. Oh, alors ça peut être notre chance. Ça y est. On va prendre le légalisme. Bon, primogéniture, il faut être en paix. Que personne. Ouais, non, mais attendez, on n'en est pas là. Faut déjà passer en administration tardive. Alors on a des opposants. Donc là va falloir voir tout ça. On a au moins un partisan. On a au moins un partisan. Non, mon conseil à moi. On a des pragmatiques. On a un loyaliste. Ça c'est bien. Chercheur de gloire. Il y en a pas mal qui nous aiment bien, mais lui on va lui envoyer un petit cadeau. Alors lui aussi, mais je crois qu'il va demander très cher. Ouais, pff, c'est un homme d'église. Hein. Après, hein, si vraiment il faut, je peux renommer quelqu'un qui n'est pas un vassal puissant pour. Après, je peux aussi essayer d'acheter tout simplement, mais ça c'est vraiment important que j'arrive à le passer. Autorise les lois de succession supplémentaires, les vassaux qui refusent que leur seigneur liege interfère dans leur guerre sont vus comme des traîtres. C'est pas mal. C'est pas mal. Lui qui n'est pas comte ni rien, qui est héritier, je pourrais lui demander une... Pour lui acheter une faveur, il serait pour.
ça coûte cher. Hein. Oh là 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 là. Ou plutôt demander le soutien au bot. Parfait. Est-ce que lui serait prêt à le faire? Non, lui il est pas chaud. Lui il est pas chaud. Il n'y a pas moyen de nommer quelqu'un là-dedans. Au pire, je peux nommer lui qui serait pragmatique. Mais est-ce que les pragmatiques votent pour moi? Parce que pour moi, à part le loyaliste, je pense que c'est le seul qui vote pour moi. Les pragmatiques... pas sûr qu'ils acceptent. Donc là, on va être deux, normalement. Enfin, je vais attendre qu'il accepte vraiment. On en a deux. Il nous en manque un parmi les trois autres. Bah au pire je l'achète hein. Franchement si lui il était prêt c'est pas lui du coup. Lui il est pour je pense. Ah c'est lui hein, c'est bien c'est... Putain, je me trompe pas, c'est bien Richard de Vannes qui est pour, oui. Et mon maréchal qui est pas terrible terrible mais qui est un vassal puissant. Il serait meilleur en intendance d'ailleurs mais peu importe. Je peux lui acheter une faveur. 116, ah ouais non c'est trop cher. 85, il veut pas. Il me reste plus que lui. 80, allez, j'achète. Et voilà. Si vous utilisez une faveur, il votera comme moi pendant 36 mois. Voilà. Donc c'est le but. Et. D'accord. Il a voté, il a voté. Impeccable. Tout ça, c'est bon. Et maintenant, pour passer à la primogéniture, il faut être en paix. Il faut que personne n'ait d'avis négatif sur moi. Alors ça va être un autre problème. Mais l'argent peut tout régler. Encore une fois. Lui, il suffirait que je le nomme au conseil et c'est bon. Mais il est vraiment mauvais, hein. Il est vraiment mauvais, mais comme je disais, hein, l'argent peut changer beaucoup de choses, la preuve. Regardez, hop là, voilà, maintenant il m'adore. Ça enlève les malus. C'est vrai qu'il y a encore ce bug. Hop. Quant aux évêques, on peut essayer de en attendant, l'évêque de Rochester. Hop. Tac. C'était bien ici, hein. Ouais, c'était bien là. On peut essayer d'améliorer les relations avec lui. On va voir s'il y arrive. Les fidèles se préparent à la guerre. Un messager en provenance du Vatican nous apporte une lettre du vicaire du Christ dans laquelle il nous demande de préparer nos hommes à lutter contre les païens et les infidèles. Ah, c'est une nouvelle... Il retente de redemander une deuxième... voilà, on va y arriver, croisade. Alors, on va peut-être essayer d'y répondre. Hein. Puisque vous participez à la croisade en cours, un bénéficiaire devrait être choisi afin que lorsque l'inévitable victoire se produira, vos dynasties puissent se partager le butin. Choisir. Bah de toute façon on n'a pas un énorme choix. Hein. Et on va prendre... ce sera nous. Ah, je clique, je sais pas trop ce que ça fait. Dois-je me plier à la bonté du pape ou faire à ma façon quand c'est genre distribuer des titres en cas de victoire? Si la croix est victorieuse et que je suis principal contributeur, les titres sont raccordés à mon bénéficiaire. Pourquoi devrais-je détenir des titres? Distribuerai-je mes titres? Oui, bah voilà, oui, c'est ça. Contre lui, l'autre camp, on sait pas trop. Bon, attends, c'est un peu le début. Hein. On va contribuer à remplir. Ok, bon, je suis pas assez riche pour faire un don, hein, visiblement. Voilà, après, c'est en train d'augmenter. Hein. Ah, bah voilà, c'est bien ça. Il a réussi. Le content assuré hein, cherche à revendiquer le duché de Kent. Non mais t'es direct, t'es un peu direct toi, non? Non mais sans déconner quoi. Ah, je pense qu'on lui a demandé d'arrêter son complot. C'est pour ça que je peux pas étudier les offres, ça se fait en automatique. On va voir ce qu'il répond.
J'imagine qu'il a abandonné. Oh ouais, il faut qu'il se calme, hein. Toi, ce serait bien que t'arrêtes ça aussi. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode. Ah bah voilà, de mieux en mieux. Parfait, c'est bien joué ça. Donc déjà, le gamin, il va bien nous aimer. Maintenant, après, il faudrait prendre des gens comme le comte de Suzex, par exemple. Tiens, allez. Et on regardera tout ça au prochain épisode. Pour voilà, essayer de passer la primogéniture pour se débarrasser définitivement du partage salique. Je pense que ça va être jouable, hein, le temps que la petite guerre en dessous là de rébellion, je sais pas ce qu'il fout, franchement, le mec. Je vais lui redonner un coup de main, je pense, pour accélérer ça, et puis derrière, on va voir ce qu'on arrive à faire. Voilà, en tout cas, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. D'ici le prochain, c'est-à-dire après-demain, portez-vous bien, merci à tous, et à très vite.